Le Cameroun célèbre la journée internationale de l'éducation physique. Et c'est le stade Omnisport Koundadja de Garoua qui accueille la cérémonie de lancement. Présidé par le ministre Adoum Garoua de Sport et de l'Éducation physique, il situe ici l'événement. La pratique de l'éducation physique permet l'équilibre du corps et de l'esprit. La pratique des activités physiques permet également que les jeunes puissent pratiquer normalement des activités qu'ils aiment. L'enfant aime jouer, les jeunes aiment jouer. Célébré sous le thème « Éducation physique de qualité pour une population performante à l'heure de grandes réalisations », cette journée a permis à ces jeunes, sélectionnés dans les établissements publics et privés de la région, de présenter à travers chorégraphique les richesses culturelles des 10 régions du Cameroun. Si nous voulons un pays émergent en 2035, eh bien il faudrait des jeunes gens et des jeunes filles qui soient sains de corps et d'esprit. C'est très important, c'est pour cela qu'on a institué cette journée nationale de l'éducation. Malgré la grande pluie qui s'est abattue sur la ville de Garoua, les populations ont répondu présentes et ovationné les jeunes et groupes culturels retenus pour la circonstance. Ces manifestations se poursuivront jusqu'au 2 juin prochain, 2 juin justement, retenu par les Nations Unies comme journée internationale de l'éducation physique.